Jamais dans l'histoire de l'humanité, des changements culturels et techniques ne se sont succédés à pareil rythme. La disparition de la culture paysanne, culture millénaire, partout au monde, ça disparaît. La disparition du christianisme au Québec, par exemple. Ce sont des changements culturels d'un ordre énorme qui se sont produits sur 2 ou 3 générations. Il n'y a aucun équivalent en temps de paix de pareil bouleversement. Alors on change tout le temps, mais on change tellement que c'est plus possible. Le monde contemporain nous maintient dans un état de fébrilité. On est des poules sans tête. Et moi, je pense que c'est ce changement incessant auquel on s'adapte tout le temps. On a besoin de liens, d'une certaine permanence. Et ça ne veut pas dire qu'il faut refuser tout changement, qu'il faut se... Ça veut dire au contraire que pour opérer les changements qu'il faudrait opérer, il faut se rappeler des liens qui sont essentiels à notre vie. Il faut accepter, d'une certaine façon, l'immobilisation que les liens représentent. Mais c'est ça, être humain.